nous avons rencontré des personnes, chercheurs d'absolu, qui ont peu à peu succombé au charme d'un maître, d'un groupe ou d'une pensée séduisante. Parfois, ces recherches tournent au drame, car dans cette foule de maîtres d'aujourd'hui, que ce soit dans les nouvelles religiosités, dans le domaine de la philosophie, de la thérapie, et même parfois au cœur de l'Église, on peut rencontrer des personnes manipulatrices. C'est pour comprendre les mécanismes de la manipulation que nous avons enquêté. La soif d'absolu, c'est quelque chose de très profond qui nous constitue comme personne humaine, qui fait notre grandeur, qui fait notre beauté. Alors moi, j'étais en train de finir mes études à Paris, à Sciences Po, et j'étais très frustrée en fait par la formation que je recevais. J'avais soif d'une formation qui soit plus existentielle, une vraie recherche de vérité qui réponde à mes questions essentielles en fait sur l'homme et sur Dieu. Donc tout a commencé par une expérience très forte que j'ai vécue lors des Journées mondiales de la jeunesse à Paris en 1997. J'ai senti en moi une présence, quelque chose qui s'est mis à brûler en moi, l'amour de Dieu. Ce que je recherchais à l'époque, c'était des relations humaines plus profondes, une vie sociale plus profonde que ce que je ne vivais à ce moment-là. Et à ce moment-là, je rencontre une communauté qui met au premier plan une recherche de vérité très existentielle. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que j'ai rencontré celui qui allait être mon recruteur vocationnel. Marie-Laure, Xavier et Mélanie ont accepté de témoigner de leur expérience devant nos caméras. Comme bien d'autres, ils ont un jour franchi le seuil d'une communauté ou d'un mouvement spirituel, animés par le désir de donner un sens à leur vie, ou même de donner leur vie à Dieu. Mais pour eux, au bout de quelques années, cet engagement censé les mener vers plus de liberté intérieure les a en fait enfermés dans un piège menant à de nombreux abus. Parler d'abus spirituels est relativement nouveau dans l'Église, et cela est dû au fait que en psychologie, on a développé une certaine expertise relative à tout ce qui est harcèlement moral, manipulation, personnalité perverse, etc. Et donc on est capable de mieux les discerner. Pour qu'il puisse y avoir abus spirituel, il faut qu'il y ait déjà eu une emprise sur la personne, une emprise avec toute une manipulation. Parce que les gens ne sont pas débiles, et si c'était simplement une maltraitance ordinaire, ils s'en rendraient compte et s'en iraient. Alors c'est un abus qui n'est pas facile à traduire, à exprimer. D'ailleurs, ça n'est pas reconnu ni au plan pénal, ni vraiment au plan canonique. Je dirais que c'est une prise de possession sur la personne et une intrusion dans la vie de la personne, mais avec un levier spirituel. Et comme on est aujourd'hui dans un monde qui est énormément en recherche de sens, avec beaucoup de gens qui ont une histoire brisée, bloquée, enfin notamment les dérives de la famille actuelle aujourd'hui, avoir des gens qui sont aussi en recherche de cette valorisation, parce qu'il y a aussi une valorisation là-dedans, cette valorisation affective, sociale qu'on leur propose, et qui va souvent les entraîner dans une spirale déconstructive. On voit bien que la société tout entière est parcourue d'une espèce de vertige de dérive sectaire. Je le vois particulièrement dans mon diocèse. Je vois arriver de toute l'Europe, mais des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui, en tous les cas, qui ne le connaissent pas comme le Fils de Dieu. Je suis rentrée dans cette communauté parce que j'avais un désir spirituel intense. Je voulais vivre une communion avec Dieu, et je me rends compte que cette communion avec Dieu a été remplacée par une fusion avec une personne qui était ma supérieure. Je me suis effondré tout simplement au point de me dire je ne peux plus continuer là-dedans. Je ne peux plus continuer là-dedans et je préfère aller en enfer plutôt que de continuer dans cette communauté. Je me sens une morte vivante. J'en prends conscience petit à petit. J'en peux plus, je suis fatigué. Je suis épuisé, je sais plus qui je suis. Je perds tout. Avec le recul, oui, je suis capable aujourd'hui de dire ce qui était extrêmement violent
à ce moment, c'était que effectivement, je devenais complice d'un système qui était mauvais. Donc c'est une colère qui m'anime de réaliser les dégâts considérables qui ont été provoqués par ces abus et de voir que ça continue. Comment cette soif de Dieu, ce désir de vérité présent dans le cœur de l'homme peut mener certains à aliéner leur liberté à un homme, une femme, une idéologie ? Nous avons voulu comprendre les phénomènes psychologiques de l'emprise, qui n'est pas réservé à la spiritualité, mais qui se manifeste aussi dans de nombreux domaines. L'emprise, c'est le fait que le groupe et ou l'individu qui se sert du groupe à des fins narcissiques a un pouvoir sur l'adepte. L'emprise, c'est comme si on vous mettait, on vous injectait à l'intérieur de vous la pensée de quelqu'un d'autre. C'est ce que Racamier appelle le décervelage. Lorsqu'il y a abus spirituel, il va y avoir un rapt du désir le plus profond de la personne. Ça va être d'une violence inouïe. Ce qui lui est le plus cher, ce qui lui tient le plus à cœur, ce qui lui est le plus profond, va lui être volé. C'est cela l'abus spirituel. Pendant toutes ces années, ma relation à Dieu, qui était toujours au premier plan avant, était passée au second plan. Ce qui le rend particulièrement grave, c'est que l'œuvre de Dieu est atteinte dans quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un qui cherche Dieu se voit empêché de le rencontrer. Et lorsqu'il s'en rend compte, va devoir se battre désormais contre un soupçon. Un soupçon de la vérité même de Dieu. C'est-à-dire, comment est-il possible que, cherchant Dieu, j'ai découvert des horreurs, quoi. Je sois devenu une victime d'abus multiples. Et l'abus spirituel, il est peut-être pire, d'ailleurs. Lorsqu'il va y avoir une emprise, il va y avoir un plafond qui va s'établir. C'est-à-dire que la relation ne va plus se faire à Dieu, la relation va s'établir à l'abuseur. Si nous constatons qu'une personne a voulu prendre la place de Dieu au plus profond de notre cœur, a commis cette infraction, ce viol de l'intime en nous, alors on comprend que c'est les racines mêmes, c'est les fondements mêmes de notre vie qui sont atteints, c'est notre intégrité qui est brisée. Cela peut conduire au désespoir, ça peut conduire au suicide. Et je crois que là, il y a quelque chose qui est véritablement de l'ordre du démon. Enfin, c'est quelque chose de terrible, parce que nous sommes faits pour Dieu, comme dit saint Augustin, et dans l'emprise mentale, on va mettre un écran entre celui qui cherche Dieu d'une façon ou d'une autre et Dieu lui-même, et de telle sorte qu'il peut être empêché de cette rencontre de Dieu, et qu'il va être privé de lui-même, puisqu'il devient l'objet d'un autre. Beaucoup de personnes disent que les victimes sont fragiles ou un caractère particulier. Non, moi je défends que n'importe qui peut être victime d'un phénomène d'emprise. Il s'agit de personnes idéalistes, de personnes qui ont envie de s'investir dans une quête, de s'investir dans un idéal. Et je dirais que c'est même parfois les meilleures personnes qui sont les plus intéressantes à mettre sous emprise, et parce que ce sont celles qui ont une capacité de don, c'est celles qui ont une capacité de confiance, ce sont, je dirais, celles qu'on pourrait qualifier de belles âmes, qui vont être les proies les plus intéressantes. Une deuxième composante, c'est que généralement, au moment où l'adepte rencontre le groupe, il est dans une phase de sa vie, je dirais, de fragilisation identitaire. On n'a pas une fragilité identitaire à la base, on a un moment de la vie qui fait que l'adepte est fragilisé dans son identité. C'est un moment où l'individu ne sait plus très bien qui il est. Quelqu'un qui a la foi chrétienne peut très bien se faire avoir. Parce que ce qui va l'amener à se faire avoir, c'est les propres blessures de sa vie. Portons tous des manques, portons tous des blessures anciennes, des culpabilités irrésolues, etc. Et donc, la personne perverse en face de nous va en jouer.
Et donc, c'est pas la foi qui va d'abord être en jeu, mais elle va quand même nous aider un moment à nous dire ce qui se passe là n'est pas convenable. Hein, je pense par exemple à ces communautés dans lesquelles le fondateur extraordinairement pieux, organisant des oraisons de 3 heures et des prédications interminables, quand même quand il commence à devenir un prédateur sexuel, ça doit interroger. Ensuite, le gourou va lui proposer des moyens d'accomplir cet idéal. Et donc il ne va pas lui proposer de se déresponsabiliser, mais bien au contraire de s'investir dans une quête. C'est le contraire d'une déresponsabilisation. Alors on me disait qu'il dormait 3 heures par nuit, que tout son temps il le consacrait à ses religieux, que pour lui c'était la priorité. Bon, évidemment tout ça c'était un mensonge énorme. Oui, c'était une personne qui se forgeait une auréole à travers l'image qu'elle donnait. C'était l'image d'une sœur qui était extrêmement donnée à ses petites sœurs. Dans cet enseignement, ce qui nous était dit, c'est que il y a un maître, et le maître a réponse à tout. Le maître voit tout. Cette supérieure qui ne dormait plus pour nous, qui ne prenait même plus ses repas pour nous parce qu'elle était accaparée à nous aider. Donc elle aimait beaucoup avoir tout le temps 4 ou 5 sœurs qui lui couraient après ou qui faisaient la queue devant son bureau dans l'espoir de lui parler quelques minutes. On parle beaucoup de personnalité narcissique. Moi, c'est un terme que je n'aime pas parce qu'il veut dire trop de choses et en même temps pas assez. Je parle d'usurpateurs, d'imposteurs, de malfaisants. Dans la grande nébuleuse des personnalités narcissiques, on va trouver un certain nombre de diagnostics qui ne sont pas forcément la perversion. On va trouver certaines hystéries graves, on va trouver effectivement la perversion, on va trouver des personnalités dites borderline. C'est très important de faire la différence entre l'abus de pouvoir et la dérive sectaire, c'est-à-dire l'emprise qui mène à la dérive sectaire. Ça n'est pas du tout du même ordre. L'abus de pouvoir, c'est un excès de maîtrise de quelqu'un sur son entourage qui veut obtenir quelque chose en passant par un rapport de force au lieu de faire un dialogue. La dérive sectaire est tout à fait différente. C'est la prise de contrôle sur l'entourage par différents moyens, de quelqu'un qui veut arriver à ses fins et à un désir personnel en utilisant les autres. L'autre n'a pas d'existence réelle, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est un instrument à sa disposition, c'est un outil. Et à ce titre-là, un outil lui appartient. Le problème du pervers, c'est qu'il a une personnalité clivée et il va cliver la personnalité d'autrui. Et donc, clivant la personnalité d'autrui, il va l'entraîner dans son délire, éventuellement, et petit à petit, se la servir. Alors, à partir de groupes qui souvent lui sont proches ou qu'il s'est rendu proche. Alors, le point de départ d'un groupe sectaire, c'est certainement le délire narcissique du gourou. La suite, c'est qu'au plus d'adeptes adhèrent, au plus de gens croient dans les propos du gourou, au plus, ce délire semble revêtir une dimension de réel. Au plus, le gourou est renforcé dans son délire narcissique. Si on veut comprendre la nature du délire, c'est que du point de vue de celui qui émet ce délire, ce contenu n'est pas une croyance, c'est un savoir. Il y a un grand risque dans la vie spirituelle qui est celui de la gnose. Gnose, ça signifie « savoir » en grec. L'idée que une théorie me permettrait de ne plus avoir de problème. Ça peut être un discours très général sur le monde, sur la nature, sur l'être humain, mais ça peut être aussi un discours qui se présente comme quelque chose de beaucoup plus pratique. Hein, on vous donne des recettes. On réduit l'accompagnement des personnes à une technique. Donc c'est une théorie qui est réservé à une petite élite qui a compris ce que la plupart ne comprennent pas. On nous disait clairement qu'on faisait partie d'une élite.
Cette communauté faisait partie du renouveau de la vie monastique. C'était la communauté que Jésus avait voulu fonder pour son retour en gloire. Et en plus, nous faisions partie d'une branche contemplative. Et notre fondateur nous disait souvent qu'on était la perle cachée, qu'on était le trésor de notre famille religieuse et de toute l'Église. Dans ces communautés, c'est de dire « nous sommes le salut ». Et vous avez tous intégré notre communauté pour être sauvés, et tous ceux qui ne suivent pas sont perdus. Et Dieu nous a appelés, nous. Et donc c'est à nous de sauver l'Église. Le salut du monde pesait vraiment sur nos épaules. En réalité, le gourou est de bonne foi, et c'est bien pour ça qu'on peut parler de délire. La conviction du gourou est tellement forte, tellement ancrée en lui, qu'aucune preuve ne peut la remettre en question. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la personne perverse, si elle ne trouvait pas comme ça un entourage, des dévots, etc., des adeptes, elle n'aurait aucune importance. Elle n'existe que parce qu'elle s'est fait. Elle s'est érigée elle-même en petit désir de l'autre qui cherchait en fait leur désir de Dieu. Il y a une mystification totale. Et donc on va avoir un système entier qui va se mettre en place avec une tête abuseuse, mais aussi, à l'étage du dessous, des marionnettes qui vont reprendre à leur propre charge ce que demande l'abuseur. Et puis, à l'étage du dessous, on aura encore des pions qu'on déplacera en fonction de ce dont on a besoin. C'est évident que dans ce genre de système, on est rapidement à la fois victime et complice. Et c'est pour ça aussi que c'est difficile de s'en défaire. Parce qu'on a une certaine part de responsabilité qu'on y laisse. Quelque chose existe donc en dehors d'une simple addition d'individus à l'intérieur d'un groupe qui programme tous les individus à l'intérieur du groupe à certaines actions. Petit à petit, goutte à goutte, au fil des jours, elle instille une espèce de poison de dévalorisation de soi-même et d'assujettissement à son égard qui font que petit à petit, mais ça va prendre du temps, l'autre, sa proie ou le groupe qu'elle soumet petit à petit va se trouver complètement réduit à être des exécutants. Voilà. Qu'on soit la tête, qu'on soit une marionnette ou qu'on soit un pion, on va avoir un rôle différent dans la communauté. Et fonction de ce rôle-là, les atteintes que l'on va subir vont être différentes. J'ai répercuté sur ces jeunes sœurs des discours ou des manières de faire que j'avais moi-même subies et qui, quelques années auparavant, m'avaient verrouillée. Malgré les doutes que chacun a pu traverser à un moment ou à un autre, comment se fait-il que personne ne se rende compte qu'un piège est en train de se mettre en place? Il va d'abord y avoir une étape de séduction. La proposition qui est faite à la personne va répondre exactement à ses attentes. Je me suis senti honoré par ce jeune prêtre. Alors en fait, il était diacre à ce moment-là, il n'était pas encore prêtre. Qui venait s'intéresser à moi, qui me posait des questions, qui simplement semblait vouloir faire connaissance. J'ai eu la sensation d'être accueilli comme une VIP. J'ai eu la sensation d'un accueil démesuré. Et ça m'a un peu surprise, ça m'a étonné, limite choqué. Je me suis sentie très bien accueillie, un peu comme quelqu'un de privilégié qui pouvait accéder à leur trésor, au trésor qu'ils offraient pour l'Église et pour le monde. La séduction, c'est l'adéquation parfaite entre mon désir et ce que va me proposer l'autre. Je recherche à aller plus loin dans ma connaissance de Dieu. Je recherche une croissance spirituelle et l'autre va répondre totalement à mon attente. Il va savoir s'adapter exactement à qui je suis. Ce n'est pas une proposition genre publicitaire qui s'adresse à tous, c'est quelque chose qui va me cibler moi. Le pseudo-savoir du gourou séduit effectivement les adeptes. Dans la mesure où les adeptes trouvent dans ce pseudo-savoir un moyen de réaliser leur idéal sur Terre, c'est
sans aucun doute extrêmement séduisant. On retrouve le même phénomène qu'il s'agisse d'une communauté religieuse, ou qu'il s'agisse d'un gang, ou qu'il s'agisse de Daesh. La séduction va être la même. La deuxième étape, c'est l'établissement d'un lien de dépendance. Elle m'a affirmé de manière très claire, ta vocation est dans la communauté, il faut que tu rentres. Et j'ai vu ça comme un signe du ciel, d'une certaine manière, et j'ai accepté de mettre de côté voilà, tous ces doutes et tous ces questionnements que j'avais. Le problème n'est pas que l'adepte développe une dépendance vis-à-vis du groupe sectaire, il avait déjà une dépendance vis-à-vis d'un certain nombre de ses groupes d'appartenance. Le problème, c'est qu'il n'a plus de dépendance que vis-à-vis d'un seul groupe. On m'a dit que j'avais une maturité supérieure aux autres. Et donc là, on m'a proposé, pour ne pas me dire m'imposer, tu vois, on ne pouvait pas refuser d'appartenir à un groupe d'élite. C'est que les autres groupes sont tous condamnés par le gourou. Il vous dit de façon éventuellement très explicite que vous devez échapper à toutes les emprises, sauf évidemment à la sienne. Et donc là, mon engagement devait se traduire par plus de présence, plus de participation à certaines activités. Alors la critique dans la communauté était absolument interdite. Et du coup, cette idée était extrêmement violente dans la communauté, c'est que celui qui critique sème le désordre. Prétendre être une autorité qui fait grandir alors que les résultats et que les personnes sont asservies et n'ont plus de marge de manœuvre et n'ont plus la possibilité d'exprimer ce qu'elles veulent, d'exprimer une opinion contraire à celui qui a ce rôle d'autorité. Là, on est dans la perversion. Et la troisième étape, ça va être une alternance de maltraitance et de bienfaisance. À cette étape-là, la maltraitance apparaît. Quelqu'un s'était permis de reclasser tous mes livres par ordre de taille. Et je suis allé voir mon supérieur pour lui partager mon étonnement. Et celui-ci s'est mis en colère, m'a accusé d'insubordination et m'a expliqué qu'il m'avait mis à l'épreuve et que j'avais échoué, avec un petit sourire en coin d'une violence. Quand j'y repense, j'en tremble encore. L'adepte pense que les violences rituelles dont il accepte l'existence vont le mener vers toujours plus d'autonomie. En pratique, les violences du groupe le mènent vers toujours plus de dépendance, au point où on pourrait parler du développement d'une addiction au sein du groupe. C'est une suite de petites maltraitances qui vont entraîner la manipulation. Ce n'est pas une grosse chose, c'est la multiplicité d'humiliations, de toutes petites insultes. Ce qui est sûr, c'est que ce sont des techniques très efficaces, dont la première est ce qu'on appelle l'injonction paradoxale. C'est-à-dire, elle dit une chose et son contraire, de telle manière que ça devient indécidable pour la personne à qui elle s'adresse. Lorsqu'il y a une alternance, il y a une incapacité à s'adapter. On s'attend à ce qu'il arrive quelque chose, mais non, c'est quelque chose d'autre qui arrive. Au bout de plusieurs années, il m'est arrivé, à moi aussi, de recevoir, devant tout le monde, des réprimandes, mais à chaque fois, je ne m'y attendais pas. Et peu à peu, sur le plan émotionnel, ça va être très destructeur. Là où on va être joyeux, on va recevoir une torgnole qui va vous faire mal, et on n'était pas prévenu qu'on allait recevoir ça, donc on n'avait pas les défenses qu'il fallait pour s'y préparer. J'ai été plusieurs fois terrorisé, et j'évitais à tout prix que ça puisse m'arriver à nouveau. Dans les moments où la personne ne sera plus sympathique avec nous, on va rechercher à nouveau cette sympathie et donc on va se coller trop à la personne parce qu'on va rechercher ce bien-être antérieur. Ce qui programme l'addiction au groupe, ce n'est pas les violences en elles-mêmes,
c'est l'alternance rapide de moments d'extase et de moments d'effroi. De moments entre lesquels vous êtes mis sur un piédestal, où on vous dit que vous avez découvert la vérité, que vous avez touché la vérité du doigt, et des moments où on vous dit que vous êtes complètement à côté de la plaque, où on vous disqualifie de façon profonde. La personne qui est prise dans cette espèce de nasse finit par ne plus savoir quoi penser. Elle est simplement habitée par une espèce d'agitation mentale où elle ne sait pas s'il faut voir que le mal ou que le bien. Si elle voit tout le mal, que le mal, elle se dit parano, je suis parano. Si elle ne voit que le bien, elle se dit je suis naïf. Et finalement, ça devient indécidable dans la tête et ça tourne en boucle. Et moi, je dirais que au maximum, un phénomène d'emprise dans une communauté religieuse va entraîner une aliénation mentale, psychologique et spirituelle. Et cette aliénation mentale va altérer les capacités de discernement et va endormir la conscience. Je crois qu'à un moment donné, on accepte de faire taire ce qu'on ressent personnellement parce que ça n'a plus aucune importance. Et d'ailleurs, on nous le dit dans la communauté, ce que tu ressens n'a aucune importance, ce que tu désires, ce que tu penses. Ce qui compte, c'est ce que ta supérieure te dit parce que c'est elle qui est le canal de la volonté de Dieu. La dépendance aboutit à une suppression de la liberté. L'alternance de ces chauds, froids, maltraitance, bientraitance aboutit à destruction de l'identité. Et c'est à partir de ce moment-là que vont pouvoir se mettre en place réellement la véritable emprise et le traumatisme psychique. Un jour, mon médecin m'a diagnostiqué un cancer. Je suis allée questionner sur le sens de ce cancer. À partir de là, il m'a été proposé de rédiger des scénarios sexuels qui seraient une des solutions. Les premières étapes, même si elles ont été violentes pour moi, je les ai acceptées parce que je savais que j'étais dans un étau, je ne pouvais pas faire autrement. Si je m'étais dit, en fait, si j'accepte celle-ci, peut-être qu'il n'y aura rien derrière et que ça ne va pas déclencher de colère de sa part et je vais échapper à pire. Et en fait, ça s'est intensifié de plus en plus. Je me suis même posé à un moment donné la question, est-ce que ce n'est pas pour passer à l'acte ? Ce qui s'est passé quelques mois plus tard, mais je n'avais plus la force physique pour réagir. Donc il y a une destruction au niveau de la confiance en ses propres émotions, et à terme, il va y avoir une destruction de ses pensées et de son intelligence, parce qu'on n'a plus, par son intelligence, la capacité de faire face à la situation. Chaque fois qu'il me demandait de le rejoindre, que ce soit dans un hôtel, que ce soit ou autre, c'était à chaque fois sous couvert d'un enseignement. Ça a commencé par l'écriture de scénarios érotiques, puis des massages, puis l'utilisation d'objets, et de pire en pire. L'abuseur va pouvoir injecter à la place de ce que j'étais avant et qui finalement a disparu parce que ça a été détruit, va pouvoir injecter sa propre pensée ou le mode de fonctionnement de la communauté ou du système. Il utilise le désir d'engagement, de don de soi et de générosité pour le transformer complètement et en faire quelque chose qui devient un levier d'asservissement et pas un levier de créativité. Il est prouvé qu'à l'identique d'un traumatisme majeur, comme ce que l'on retrouve au moment des attentats ou au moment de guerre, il est aujourd'hui prouvé qu'une multiplicité de maltraitances va aboutir au même résultat. Pour pouvoir survivre à cela, ce que j'ai trouvé, c'est que je sortais de mon corps pour pouvoir en intégrer une autre. Ça peut paraître difficile à comprendre, mais je faisais vraiment cet exercice-là de me dire... pour protéger en fait celle que je suis, je la mettais de côté et je me disais maintenant tu en intègres une autre que tu ne connais pas mais qui est celle qui est attendue de toi. C'est tout un enchaînement d'asservissement
où elle n'a plus à sa disposition qu'à se cliver elle-même, c'est-à-dire à se mettre en morceaux en acceptant une chose tout en sachant qu'elle réprouve. Clivage, ça veut dire séparer de manière hermétique. Dans nos questionnements, nous avons découvert qu'il existait une expérience bimillénaire de la vie religieuse chrétienne qui pouvait nous enseigner sur les grands principes spirituels qui sont dévoyés dans les systèmes d'emprise. Il y a une prolifération de ces sectes. Je note quand même qu'un certain nombre de dérives sectaires se couvrent, même si elles sont complètement étrangères à l'Église, se couvrent du manteau de l'Église. En fait, les garde-fous, il y en a de naturels. Il y a un garde-fou extraordinaire qui s'appelle le Code de droit canonique. C'est-à-dire que l'Église s'est dotée de lois et les vieilles institutions, souvent, les ont intégrées. Pas forcément tout de suite, d'ailleurs, mais elles les ont intégrées. Et j'allais dire aussi, elles ont un vrai chemin spirituel. Alors, le fait que, donc, que l'histoire monastique s'inscrive dans une histoire assez longue, qui a des réussites et des défaites, ça crée des, on pourrait dire que ça crée des anticorps et certaines immunités à des maladies qui peuvent se présenter. En fait, elles ont intégré un vrai chemin spirituel, notamment celui de la croix, c'est-à-dire celui qui fait que l'on consent à ne pas réussir, ou du moins à ne pas réussir systématiquement. Aujourd'hui, c'est quand une communauté commence à dire, ben on va tout réinventer parce que les autres, voyez, ça marche plus du tout. Et qui s'enracinent pas dans cette tradition précédente et dans ses réussites et dans ses erreurs. Et en fait, il commence vierge et il va capter toutes les maladies de notre société actuelle. Donc l'emprise est une de ces maladies. Il y en a beaucoup. Si je désire faire la volonté de Dieu, j'ai choisi de me mettre sous cette autorité-là pour être guidé, pour être accompagné, pour être porté, pour être aidé, pour être stimulé aussi. Mais il y a une limite. Qu'est-ce que c'est que cette vertu d'obéissance qui fait dans les communautés religieuses que le groupe n'a plus son mot à dire quand il s'aperçoit qu'il y a des dysfonctionnements? Le groupe tout entier est responsable de la dérive perverse. Alors l'obéissance, elle s'exerce donc dans le cadre d'une règle qui doit être connue. Quand je m'engage, je ne m'engage pas dans le vide, mais je m'engage à partir d'une règle commune pour vivre ce chemin avec d'autres. Cet exercice de l'obéissance, tel que je l'ai vécu, c'était d'une certaine façon la relation entre une personne qui était dans la soumission et qui était infantilisée, c'est-à-dire moi, face à une supérieure qui, elle, était jugée comme infaillible. Elle ne se trompe jamais. Si tu as des problèmes avec elle, si tu as des objections par rapport à sa conduite, c'est que tu es dans ton orgueil. Donc c'est à toi de te corriger. Il est évident que ce que me dit le supérieur, ce que me dit au jour le jour le supérieur, n'est pas parole de Dieu. Dieu peut me parler à travers ce que me dit le supérieur, mais ça veut dire que je vais devoir interpréter, que je vais devoir juger. Je suis jamais privé de ma responsabilité pour discerner ce que Dieu me dit à travers la parole du supérieur. Il peut se tromper, et je peux penser qu'il se trompe, mais cependant, parce que il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne des décisions dans une vie commune, eh bien je vais faire ce qu'il me dit. Mais ça ne signifie pas que je vais me mettre à penser que son choix est le meilleur. Peut-être le contraire d'une obéissance libre, c'est une soumission servile. Voilà. On s'écrase devant l'autre, quoi qu'il dise. Avant que l'autre parle, c'est déjà oui. Je veux te rendre libre, obéis-moi. Il y a des obéissances qui enferment la liberté et qui ne sont pas des obéissances chrétiennes. Pour un chrétien, il s'agit d'abord d'écouter Dieu. Le mot obéissance signifie, c'est l'origine du mot écouter. Et écouter Dieu, qu'est-ce qu'il a à me dire, Dieu ? Ce n'est pas parce que le supérieur ou l'accompagnateur spirituel pense ceci ou cela, que je suis obligé de penser de la même manière. C'est pas parce qu'il veut ceci ou cela pour moi que je vais être obligé de le vouloir. Ce responsable, un jour, m'a demandé de me présenter nu sur Skype pour un entretien individuel avec lui. Je me suis senti humilié, j'avais un sentiment de honte.
lorsque je dois obéir, je dois toujours juger de la moralité de ce que on me demande. Et donc, obéir, ça ne me prive pas de la responsabilité de juger en conscience ce qui est acceptable ou ce qui ne l'est pas. L'obéissance ne doit jamais forcer la conscience des personnes. S'il me commande des choses, s'il me fait faire des choses dont je sens en moi qu'elles sont mauvaises ou qu'elles ne sont pas bonnes, eh bien, on arrive dans l'abus. On arrive complètement dans l'abus spirituel. Alors là, complètement. Lorsque le supérieur demande des choses au nom de l'obéissance, il doit en discuter, il doit s'expliquer, il doit se mettre à l'écoute de la personne qui va devoir faire ce qu'il demande, et il doit aussi en discuter avec toute la communauté. Le vrai supérieur de la communauté, d'abord, de la communauté mégitine, c'est le Christ. Voilà. Ça, c'est très important. Le Christ, il parle à chacun par l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint parle à chacun dans la communauté, pas seulement au supérieur. Si à chaque fois la décision de l'abbé correspond à son point de vue, quelque chose de bizarre. Ça veut dire qu'il pense que l'Esprit Saint passe toujours par lui, et là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Dieu, il fonctionne pas comme ça. La santé d'une communauté ou de sa structure de gouvernement, de gouvernance, se mesure à la présence de contre-pouvoirs. Est-ce que le responsable de la communauté doit rendre compte à quelqu'un ou doit rendre compte à sa communauté ? Quand on est devant des gens beaucoup trop triomphants, on doit s'interroger, parce que l'un des premiers actes de la foi chrétienne, c'est d'abord de se reconnaître profondément pécheur et de laisser naître en soi l'humilité. Si on lit les écrits spirituels de la tradition, on voit qu'on a toujours été conscient des problèmes que pose l'accompagnement spirituel. Il y avait une autorité de fort externe qui était la prieure, mais en réalité, elle voulait jouer le rôle de prieure pour moi, et elle voulait jouer le rôle de mère spirituelle pour moi. L'accompagnateur n'est pas le supérieur. Donc l'Église, officiellement, distingue toujours fort interne et fort externe et prend des précautions pour cela. Ça veut dire que je ne dois pas obéissance à mon accompagnateur. Donc je devais constamment tout remettre dans l'obéissance, tout écrire, tout confier à ma supérieure. C'est une démission, sans remettre. C'est lui qui sait, c'est lui qui peut, c'est lui qui doit dire, c'est lui qui, etc. Et tout passe par lui. C'est l'intermédiaire obligé. C'était une intrusion quasiment forcée dans ce que j'avais de plus intime, dans mes pensées, mes désirs, mes luttes, etc. Le but de l'accompagnement spirituel, c'est de renforcer l'autonomie des personnes. Mon accompagnateur spirituel étant également mon supérieur, c'était à ce même prêtre que je devais aller confesser mes péchés. Donc vous imaginez un petit peu la relation extrêmement perverse que j'avais avec cet homme. Si la personne accompagnée choisit d'aller prendre conseil ailleurs, voire choisit de changer d'accompagnateur ou d'interrompre l'accompagnement, en aucun cas, celui qui accompagne ne doit présenter la chose comme une infidélité, une sorte d'adultère de sa part, une faute de sa part. Si c'est d'abord un accompagnateur, il doit respecter le choix, il doit même peut-être s'en réjouir s'il pense que c'est pour le bien de l'accompagné. Un des critères qui montre la santé d'une communauté, c'est que la personne peut dire non. Ce n'est pas ces deux, trois que je vais choisir, c'est encore une autre personne. Et s'il y a des réticences pour dire « Non, ne va pas ailleurs, c'est dangereux, ces gens ne connaissent pas la communauté, ils ne connaissent pas la richesse de notre communauté, nous la connaissons, ça va être compliqué pour toi, tu risques d'avoir des ennuis ou que ça ne se passe pas bien », eh bien, ce sont aussi des signes que la communauté essaye d'emprisonner
des personnes et d'emprisonner leur conscience, parce que le lieu de l'accompagnement spirituel, c'est le lieu où on expose sa conscience, où on expose le plus précieux de soi. Et donc il faut être en pleine liberté et en pleine confiance. Une personne qui vous parle au nom de Dieu, une personne qui se dit inspirée par Dieu ou par un personnage céleste, la Sainte Vierge, un saint, un ange, c'est ce qu'on appelle dans la tradition un prophète. Ce qui doit être très clair, c'est que l'accompagnateur spirituel n'est pas un prophète à votre égard. Le fondateur étant un homme inspiré, étant ayant des dons particuliers de l'Esprit-Saint, les lettres qu'on recevait de lui étaient en fait l'inspiration vraiment directement de Dieu, en fait. C'était Dieu qui nous parlait. Et elle jouait beaucoup sur cette grâce d'État pour dire, effectivement, je vais te dire quelle est la volonté de Dieu et j'en suis certaine. Ce que Dieu veut pour moi ou ne veut pas pour moi, personne ne peut le savoir à ma place. Le meilleur accompagnement spirituel, le plus saint de tous les hommes, ne peut pas le savoir à ma place. Je pense que ce que nous devons apprendre tous, mais je pense en particulier aux plus jeunes, c'est que c'est pas parce qu'on vous parle de Dieu, c'est pas parce qu'on vous parle de spiritualité, c'est pas parce qu'on vous fait prier que l'on veut votre bien. Toujours un discernement doit être exercé. Parce que il y a toujours, à côté de Dieu, le singe de Dieu. Cette jolie maxime d'un certain Évagre le Pontique, donc on doit être au 4e ou 5e siècle, qui nous dit « Sois le portier de ton cœur », c'est-à-dire ne laisse pas entrer n'importe qui. Pourquoi ? Ben parce que plein de choses se promènent. Des pensées qui sont des bonnes pensées et d'autres qui sont des mauvaises pensées, et celles qui viennent du bon esprit et celles qui viennent du mauvais esprit. L'action du mauvais esprit, c'est de nous endormir, de dire « mais c'est pas si grave, c'est pas si important ». Je dois discerner entre ce qui me fait vraiment du bien et ce qui me fait vraiment du mal. Quand la vie passe en nous, c'est comme quand un membre fonctionne bien, quoi. On se sent bien, on le sait, ça. Il y a de la vie, il y a de la joie, il y a de la paix profonde. Alors il peut y avoir des difficultés de surface, mais au fond, j'adhère, ça a du sens, ça a de la cohérence. Dans les exercices spirituels de Saint Ignace précisément parle de l'ennemi de la nature humaine, pour évoquer celui qu'on appelle aussi le diable. Le diable, c'est celui qui divise, le diviseur. Il est cet adversaire. Et donc, sa présence, on peut parfois presque la palper. Le mensonge, la dissimulation, la manipulation est présente. J'ai pris ma supérieure en flagrant délit plusieurs fois de mensonges. Voilà, c'était face à des personnes pour dissimuler des choses ou tromper les personnes sur certaines choses. Il est tout à fait évident qu'on ne peut pas mentir ou inviter d'autres à mentir, même pour une petite chose, en se réclamant du Christ. Le Christ l'a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Le mensonge rend esclave. Et utiliser le mensonge ou inviter des personnes à mentir, c'est les mettre dans une position d'esclavage. Ce mensonge-là, c'était aussi de maintenir la façade, maintenir la vitrine, faire croire aux gens que nous étions heureuses, épanouies, alors que nos tripes étaient à l'envers et qu'on vivait toutes profondément des angoisses ou des signes de mal-être. Le trouble intérieur, souvent, c'est pas bon. C'est pas Dieu qui est là. L'action du bon esprit est justement d'agir sur la conscience. Il faut croire que dans toute personne, il n'y a pas d'emprise définitive. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il est très important de percevoir, c'est qu'au fond de moi,
il y a une petite porte, un lieu de relation avec moi-même et avec l'au-delà, sur lequel aucune personne ne peut avoir de prise. Ni des hommes, ni des forces obscures, démons, princes de ce monde, ennemis du genre humain, quoi qu'on l'appelle. Il y a une petite voix qui me dit « ça va pas ». Il y a toujours au fond de la personne ce lieu sacré, ce lieu secret, où Dieu agit, où le bon esprit de Dieu agit et parle. Peut-être on peut voir la conscience comme une sensibilité interne très fine qui nous fait discerner ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est vraiment bien. Voilà. Alors, parfois c'est étouffé par peut-être des années d'errance, ou de mensonges, ou d'addiction, mais ce lieu de la liberté, de la dignité humaine subsiste toujours. Ça, c'est notre foi qui nous le dit aussi. Il y a ce lieu où c'est le lieu de mon intimité avec Dieu. C'est le lieu d'où jaillit la prière, c'est le lieu d'où jaillit la vie. Alors, dans un système d'emprise, on va étouffer ça, parce que c'est une relation sur laquelle celui qui a l'emprise, justement, il n'a pas d'emprise là-dessus. Et c'est ça qui peut nous sauver, qui peut nous faire sortir. Et c'est là où on est vraiment libre. Il n'y a que face à Dieu où on est totalement libre. Et c'est pour ça qu'en morale, le respect de la conscience est très important. Et petit à petit, notre conscience doit diminuer. Il y a trop de paradoxes entre ce qui nous est dispensé et ce que nous pensons. Donc on était dans un milieu où voilà, on était effectivement anesthésié et on n'interrogeait pas les choses profondément. Il y a quelque chose qui fait que je ne suis pas libre. Il y a quelque chose qui fait que ce n'est pas bien, les belles choses que l'on me dit là. Peut-être que c'est difficile, quand on est dans ces contextes-là, d'aller écouter cette voix et d'y croire. Les signaux de la conscience arrivent de manière différente selon les personnes. Nos tripes, elles sont assez proches quelquefois de la conscience. Notre cœur, quand il y a des choses qui se serrent en nous, on peut le sentir dans le corps, on peut le sentir dans sa psychologie. Là, ça peut être des signaux qu'il se passe quelque chose dans notre conscience. La conscience, l'objection de conscience, est un droit humain fondamental. Si il semble qu'on fasse tout pour étouffer cette petite voix, cette petite résistance en nous, alors il faut être très réactif. Se mettre à cette écoute et suivre cette voix, c'est un devoir. Nous sommes invités, dans notre vie chrétienne, à écouter la voix de notre conscience. Et c'est ce lieu qui peut prendre le dessus et faire sortir de situations d'emprise. Dans cette prise de conscience, que ce n'est pas juste, on peut y reconnaître aussi le doigt de Dieu. Quelque chose arrive à un moment donné au sein du groupe ou à l'extérieur du groupe qui touche l'adepte et qui fait que tout d'un coup, il se rend compte à quel point il s'est fait avoir. Il se rend compte que le gourou n'est pas ce qu'il croyait. Son objectif final est de me demander d'accepter de vivre là où il vit, sans plus rien. Il assurera tout pour moi. Et puis la personne sortira lorsque un échelon supérieur sera franchi dans la maltraitance, qu'elle ne pourra pas, et là tout d'un coup, ça viendra réveiller sa conscience, dire « Ah, là non, là je peux pas ». C'est là où je me réveille, et c'est là où je me dis « Non, là je suis tombé bas, et c'est de l'esclavage que l'on me demande ». Il y a un événement qui survient et qui a une double tonalité. À la fois, ça s'inscrit dans un lien, il y a une tonalité affective forte, et à la fois, il y a une tonalité éthique. Il y a quelque chose qui vient choquer l'éthique
de l'adepte. Mais le jour où j'ai dû faire du chiffre, où j'étais aussi envoyé comme recruteur vocationnel, où j'ai dû aussi mentir à des jeunes, ou disons leur cacher la vérité, j'ai vécu ça comme un véritable drame. Et je me suis effondré tout simplement au point de me dire bah, je ne peux plus continuer là-dedans. Parce que cette communauté me rend trop malheureux, me met trop une vie de contradiction. Et j'ai quelque chose en moi qui me dit que Dieu ne veut pas ça pour moi. Je dirais, ben voilà, on sort, on fait ce chemin de liberté, pourvu qu'on garde ce lien à Dieu, et ce n'est pas une infidélité. Ça a été un déclic pour moi, vraiment, de réaliser que ce à quoi j'aspirais, d'une communion authentique et d'une prière vivante, je le vivais plus à l'extérieur, avec des personnes extérieures, qu'au sein de ma communauté. J'ai senti que Dieu me demandait de sortir de mon tombeau et que ce Dieu était le Dieu des vivants et qu'il fallait que je sorte. C'était le déclic intérieur. Ce sont des démarches dramatiques qui supposent un courage inouï. Et il faut être très fort à ce moment-là. Voilà, il faut vraiment s'appuyer sur sa conscience et dire à Dieu, se mettre en vérité devant Dieu, écoute, moi je veux rester avec toi, je prends ce risque de sortir de ce truc qui m'enferme depuis longtemps. Mais ce que je veux, il y a une seule chose que je veux, c'est être avec toi. Comment aider les gens qui sont dans ces communautés ou dans ces groupes et qui sentent bien au fond d'eux-mêmes, donc au plus profond de leur conscience, qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, comment peuvent-ils faire confiance à ce qu'ils ressentent profondément? Je crois que quand on n'a plus sa liberté de parole, qu'on n'a pas sa liberté de conscience et qu'on a le sentiment d'être constamment contraint à faire des choses qui ne sont pas en accord avec ses aspirations profondes, il y a quelque chose où il faut se poser des questions sur non seulement son engagement, mais l'endroit où on est arrimé et arrimé de manière toxique. La meilleure façon de répondre à un gourou, hein, qui vous dirait lorsque vous le quittez, tu vas trahir Dieu, tu es coupable, tu vas aller en enfer. La meilleure façon de lui répondre, ce serait d'éclater de rire. Le conseil le plus important qu'il faut donner aux familles qui s'inquiètent pour un de leurs proches qui est rentré dans une communauté qui les inquiète, hein, c'est qu'il faut avoir confiance dans leurs propres enfants, dans leurs propres proches, parce que de toute façon, si cette personne doit sortir de cette communauté, cela ne peut venir que d'elle-même. Je me rends compte avec le recul du manque de prudence que j'ai eu. C'est vrai que ça a été fou à un moment donné de me laisser embarquer de cette manière. C'est comme si j'avais mis des nœuds dans ma tête pendant des années, vous voyez. Donc lorsque je suis sorti de la communauté, il a fallu que je démêle les nœuds, les uns après les autres. Et ça, je pense que c'est un travail qui prend du temps et qu'il faut faire avec un accompagnement et des gens sérieux. Aux victimes, j'ai envie de dire courage, parce qu'on peut toujours s'en sortir, mais donnez-vous les moyens. Il y a des gens sur la route qui permettent de se remettre debout. Enfin, souvent, c'est le bon sens qui nous sauve de la dérive. Aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir vraiment grandi dans ma foi. Je suis catholique, je suis croyant, je suis pratiquant, je suis très impliqué dans ma paroisse. Et je n'ai absolument pas perdu la foi, mais au contraire, j'ai l'impression d'avoir, disons, mûri, d'avoir grandi en sagesse. Au-delà de l'horreur que j'ai pu vivre, au-delà, je me suis relevé. Je vais bien, je respire, je vis à nouveau, j'ai à nouveau des projets. Surtout, je bénis le ciel puisque j'ai eu la chance de rebondir. On a fondé une famille, on a deux beaux enfants et voilà, je suis vraiment heureuse. Donc j'ai juste envie que cette expérience ne soit pas vaine et qu'elle porte du fruit pour d'autres personnes. Tu viens